Les Tortues Ninjas, c'est toute mon enfance. Je ne peux pas compter le nombre d'heures que j'ai passées devant ce dessin animé. Une cuillère de Choco Pops dans la bouche, vautrée en pyjama devant la télé. Avec mes copains, on rejouait les épisodes dans la cour. Ça commençait souvent comme ça. Shredder a kidnappé nos amoureuses. Alors, ni une ni deux, je sentais l'appel du justicier monter en moi. Je filai dans mon cartable, fouillais dans mon cartable, récupérais mon katana en plastique et mon bandeau bleu pour devenir Leonardo, libérer mes super pouvoirs pour libérer ma fiancée. Je retournais sous le préau pour y trouver mes partenaires. Zadig, le bagarreur, était devenu Raphaël, la tortue rouge avec ses sailles piquant. Mehdi, le rigolo de la bande, était Michelangelo, bandeau orange et nunchaku. Quant à Dimitri, il était devenu Donatello, le plus posé, avec le beau, c'est-à-dire le grand bâton de combat des ninjas. Nos aventures pouvaient durer des heures, plusieurs récrés même. Simplement entrecoupées de quelques pauses techniques de temps en temps, du genre un tour à l'infirmerie pour un saut ninja d'un peu trop haut, ou c'était mieux une pause à la cantine bien méritée avec des grandes, grandes, grandes pizzas. Voilà. En substance, nos jeux d'enfants, c'était ça une cause juste, des super-pouvoirs, du matériel, un petit peu et puis des partenaires. Et ce qui est drôle, quand je regarde ces mots, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'années après, ma vie n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, je travaille à la cordée. Nous sommes une équipe de 20 personnes, et on s'organise à peu près comme ça. Notre cause, on l'appelle notre raison d'être évolutive. Alors, ce mot on ne l'a pas inventé. Il nous vient d'un livre qui s'appelle Reinventing Organization, écrit par Frédéric Laloux. Je vais tenter de détailler chaque terme pour, vous, pour que vous compreniez. Raison d'être, ça veut simplement dire notre raison à tous, en tant que groupe, d'exister. C'est-à-dire euh, pour nous, les clients, les fournisseurs, l'équipe, notre raison d'être en tant qu'entreprise. Notre parce que c'est tous ensemble qu'on l'a défini cette raison d'être, lors de journées d'équipe, de travail euh, en équipe complète. Et évolutive parce que justement, en fonction des conclusions de ces journées de travail, elle évolue. Aujourd'hui, si je devais en donner un aperçu vraiment très succinct et très résumé, ce serait aider chaque personne à s'accomplir pleinement. On a dans toutes nos actions, à chaque fois qu'on en entreprend un projet en équipe, cette raison d'être évolutive en tête. C'est elle qui guide tous nos choix. Ensuite, on encourage chacun dans l'équipe à libérer son super pouvoir. Son super pouvoir, c'est-à-dire sa raison d'être personnelle. Pourquoi un jour, il est arrivé sur Terre. Ce sont ses passions, ses intérêts profonds dans la vie. Je ne parle pas de diplômes, je ne parle pas de choses qui ont été apprises à l'école. Je parle d'intérêts profonds qui feraient qu'on les ferait même sans être payés. Ce n'est pas si évident pour tout le monde d'aller trouver son super pouvoir. Parce qu'en fonction de notre parcours scolaire ou professionnel, ou notre éducation, on a parfois mis autour de ce super pouvoir une grande carapace de tortue. Alors, pour aider chacun à explorer, son cœur, on utilise plusieurs techniques du type coaching personnel, du type méditation, du type tenue de journaux intimes. Ce travail qui est très très personnel ne peut fonctionner que si nous avons le soutien absolu des partenaires, de l'équipe. Là, c'est très important et il n'y a qu'un seul mot pour y arriver, c'est la confiance. La confiance, la confiance absolue. Pour travailler la confiance, il faut simplement communiquer, beaucoup. On communique en toute transparence. On a des outils de gestion de projet qui sont vraiment très transparents. Le but du jeu étant d'enlever les non-dits qui peuvent enlever la confiance. Toute transparence, ça veut dire que, par exemple, on attaque des sujets extrêmement tabous. Je connais le montant des salaires de tous mes partenaires. Ensuite, on communique en physique, puisque c'est très bien les outils web, c'est très bien aussi le téléphone, mais rien ne remplace, vous le savez, le fait d'être tous réunis dans une même pièce. Donc on va se voir régulièrement pour des journées de travail en physique. Et enfin, on communique sur quelque chose qui est parfois très oublié dans les équipes ou même dans les interactions humaines, sur nos faiblesses. J'ai parlé de super pouvoir, mais paradoxalement, c'est en communiquant beaucoup, beaucoup sur nos super faiblesses super-fail que l'on libère le super-pouvoir de nos collègues. pour le matériel, c'est assez simple chez nous. on va appeler ça l'argent. nous sommes une entreprise. donc, le matériel, le, le, le besoin physique de vivre pour une entreprise va, va se trouver dans l'argent et l'argent va souvent se trouver chez les clients. donc, même si nous sommes des grands idéalistes, nous avons vite compris qu'il fallait qu'on garde en tête toujours le besoin marché. sinon, les grands projets qu'on imagine, malheureusement, s'écroulent et le stress revient vite dans l'équipe des super-héros. Ça ne sert à rien d'avoir des grands rêves si à la fin, de, de la fin du mois, on ne peut pas élever convenablement nos familles ou financer nos projets. Une autre façon d'illustrer ces mots derrière moi me semblait peut-être te raconter ma venue aujourd'hui à TEDx. Et là, je vais devoir vous faire une confidence. Je ne suis pas venu donner une conférence. Non. Je suis un super-héros en mission. Être sur une scène et raconter des trucs que j'ai écrits, en fait, c'est simplement mon super pouvoir. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Depuis que je suis petit, j'ai écrit des fables, des poésies, j'ai écrit des chansons et je suis venu les raconter, les réciter en public. Un super pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'accompagne souvent, malheureusement ou heureusement, de super failles. Euh, chez une personne qui monte sur la scène, et je pense que les onze intervenants avant moi pourraient vous le dire, la super faille, c'est la super trouille du super trou. C'est le super track. Alors, pour gérer mon super track, cette semaine, comme le mois qui a précédé, j'ai pu compter sur le soutien infaillible de nombreux partenaires que je voulais remercier aujourd'hui. En tout premier lieu, je voulais remercier toute l'équipe TEDx pour ce travail formidable et particulièrement mes deux coachs, Anne-Laure et Charlotte, qui m'ont soutenu et vraiment soutenu. Je voulais remercier mon équipe Cordée, qui m'a envoyé au front pour être là Devant vous et nous représenter. Je voulais remercier euh, ma chérie qui est dans la salle et qui a pris sur elle pour gérer mon trac et mon meilleur ami qui est là aussi. Il me reste à parler de la cause, du coup. Je ne suis pas venu ici juste pour vous parler de Tortue Ninja. Alors, si je devais résumer en une phrase euh, ma raison, la raison de ma présence ici, je dirais. Peut-être de vous avoir encouragé, en tout cas je l'espère, à libérer le super-héros qui sommeille en vous. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de tortue ninja ce qui se joue ici. Ces mots derrière moi sont simplement les quatre besoins humains fondamentaux. Ce que les sages, les anciens, toute civilisation, toute culture confondue, nous ont toujours encouragés à combler. Pour trouver, si ce n'est le bonheur éternel, au moins le sens de la vie. L'auteur américain Stephen Covey les a résumés en ces termes. Alors, en rentrant chez vous cette nuit, dans votre petit lit de personne apparemment normale, réfléchissez quelques instants à ces mots. Parce que le temps presse. Est-ce que vous entendez C'est le monde qui appelle à l'aide et qui a besoin de chacun de vous pour le sauver.